qu'est-ce qu'il vous prend? Je connais personne, moi. Un autre, s'il te plaît. Vous pouvez pas lui dire à votre patron que c'est pas des manières, ça? C'est arrivé comment? Minza, il a voulu tirer sur Fedorov, mais le voyer a fait dévier le coup. Et ça, t'en prends? De quoi? De ça. Alors comme ça, on fait travailler les clandestins. Je sais pas de quoi vous parlez. Épargnez-vous les complications. On a eu des informations. Ne parlez pas comme ça. J'ai l'impression d'entendre un délégué syndical. Je vois que nous avons la même opinion sur ce genre d'individu. Le coup des mouvements de capitaux, t'as fait ça comment? T'as épluché les comptes toute la nuit? J'ai rien épluché du tout, j'y suis allé au flanc. Ah merde. Bravo, fils. Allez, arrêtez. C'est plus du tout marrant, le truc, hein. Bon, allez, ça suffit maintenant, c'est rigolé, hein. C'est aussi du loup, c'est une timbrée. Allez, rangez vos jouets. Ah, mais ça, ça n'est pas un jouet. Aimé? Bonjour, Aimé. Pourtant, avec la souricière qu'on lui avait tendue. On continue, capitaine. On le laisse pas souffler, on le traque, on l'épuise, on l'étourdit, on l'affole jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Assis. Ariel, ça va? Toi, tu la fermes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, il se passe que si j'appuie, t'as plus de tronche, t'as compris? En tant qu'éducateur, je suis censé inculquer des valeurs civiques à ces jeunes. Et non leur apprendre à faire justice eux-mêmes, ok? Ok, mais vous restez là. Vous avez pas bien compris ce que je viens de dire, là. Je tiens à vous signaler que c'est une histoire de vie ou de mort, au cas où cela pourrait influer sur votre décision. Ça pourrait influer sur notre décision de ne pas te filer de pognon du tout. Ah non, non. Luigi a raison, ça se fait pas de laisser un copain dans la merde. Regarde tes salam allègre, ami, hein. Regarde, regarde. T'as vu ça? T'as vu ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a fait ça? C'est mon chien. Ben voyons. Sortez le sac du trou. Hé, pas de geste brusque. Vous avez enfreint mes ordres, madame le substitut! Vous m'aviez ordonné de laisser tomber le dossier Lafarge, mais pas l'enquête sur le viol! Interdiction formelle d'y entrer. Il n'y a pas une voiture qui s'y est garée depuis des années. Tout est réglé. Si vous aviez choisi le nouvel espace 180 d'Air France, vous auriez eu droit à un vrai lit dans un espace privatif. Oh Solange! Oh Solange, j'ai fait un rêve merveilleux. Oh. Solange, oh, mais qu'est-ce que tu cherches, toi? Partis tous les deux. Oh. Sympa, c'est pas un métier. Hein? Et puis qui vous dit que je suis venu ici pour être sympa? Attendu que je vous paye tous à rien foutre, j'ai pris la décision de faire entrer notre beau supermarché dans le 21e siècle. Nous allons nous automatiser. Monsieur Spock, quel est donc le prix de cet article? Capitaine, il suffit d'interroger le computer. Ça veut dire que certains de nos rats vont quitter le navire. Hein? Alors, ce soir, réunion générale à la fermeture. J'ai juste une liste de quelques petits noms à vous communiquer. Eh oui, hein, computer, bouton, siège éjectable, James Bond, supermarket. Oh, mon beau supermarché, tu étais bon quand tu les as virés. Oui, parce que vous êtes virés. Bon, fini la vie. Ça, tu te situes, là, hein. Là, tu crois que tu vas y passer, hein. Tu vois comment ça pue, là. Eh non. Si on fait trop. C'est drôle, hein. Ça fait 48 heures que je te connais. J'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Dans la vie, on croit choisir. Mais c'est elle qui nous choisit. Mais non, non, j'en fais beaucoup trop. Plus, plus sobre, plus machin, plus vrai. Tu sais qu'il y a eu un parachutage cette nuit. Je sais. Comment ça, tu sais? La chemise noire me l'a dit ce matin. Et c'est tout ce que ça te fait?
On a perdu les armes, les émetteurs radio. Les... Prince-Camarone. Arrêté. Torturé. Bon. Come va, va. Iremo come in danza, Scamarone. Non ti inquietare, noi altri comunisti siamo astuti. Questa volevamo questa riserva come così da astuti. E un abbiamo faut parler des Francesi, Chayante. C'est bien à cause de vos informations qu'on a abandonné le parachutage hier. Et si on regarde, il n'y a eu aucune patrouille d'Italiens hier. Mais il y a eu un parachutage. Et maintenant, c'est eux qui ont tout, les armes, les vivres, l'argent. Et pour couronner le tout, ils sont même après moi.